Ouais, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, ce soir, expérience sur la Volvo 940. Ça fait depuis 2016 qu'elle n'a pas tourné cette bagnole. Et quand elle tournait, elle avait déjà des problèmes. Bon, donc les problèmes ne se seront pas résolus tout seul pendant qu'elle était à l'arrêt. Mais là, j'ai décidé de démarrer, enfin de voir si elle veut démarrer. Et puis, si elle veut être gentille, si elle veut démarrer. Eh bien après, je m'occuperai d'elle, voilà, parce que là, il y a du ménage, tu vois. Alors, cette bagnole, il faut savoir qu'elle a énormément de kilomètres. Elle a 1 233 000 kilomètres. Voilà. Ah ouais, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, cette brave Volvo 940, j'ai mis la batterie. J'ai un extincteur, au cas où ça prenne feu. Tu vois, même le chat s'en va, parce qu'il veut pas voir ça. Et là, ben, on va essayer tout de suite. Voilà. Hop, je l'embarque avec moi à bord du paquebot. Et on va voir ce que ça donne. Ok, alors, hop, préchauffe. Ça s'allume. Est-ce que ça va s'éteindre? C'est ça la question. Parce que il y a des problèmes électriques. Comme vous pouvez voir, tout n'est pas à sa place d'origine. Hein. Voilà, ça c'est tout le tableau électrique avec les relais. Les fusibles, tout ça. Et là-dedans, il y a des relais plus ou moins vaillants, quoi. Voilà. Bon, je vois que la préchauffe ne s'éteint pas encore, donc ça fait. Est-ce qu'il y a du gasoil? Bon, un petit peu. Ouais, un petit peu de gasoil. Ça devrait nous suffire, on s'en fout. Ah, la préchauffe s'est éteinte. Alors on essaye. Oh, joli! Joli, hein, joli. Depuis 2016 qu'elle n'a pas démarré. Je suis content qu'elle commence déjà à bouger. Bon, est-ce qu'elle va démarrer? C'est pas sûr. Allez, une autre préchauffe. On va pas lui faire de mal. Bien qu'il fasse pas très froid aujourd'hui, on essaye quand même les méthodes de base. Voilà. Donc les méthodes de base, c'est de faire deux préchauffes. Bon, s'il s'est éteint la première fois, il devrait se rééteindre maintenant. Alors, est-ce que ça va le faire? Tan, 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 tan. Ça a mis bien longtemps à s'éteindre. Ah, ça y est, bon, allez. Ah, évidemment, ouais, le démarreur lâche un peu. Bon, on recommence. On refait pas de préchauffe, on recommence direct. Non. Bon. Bon, faut savoir que sur les 6 bougies de préchauffage, ouais, parce que c'est un 6 cylindres là-dedans. Sur les 6 bougies de préchauffe, il y en avait déjà 2 ou 3 qui faisaient le con. Mais bon, on recommence, allez. Mais c'est encourageant. Moi, des petits bruits comme ça, c'est très très encourageant. Voilà, donc elle fait preuve de bonne volonté. On peut dire que quand même, elle a envie d'être vaillante. Mais il y a des petits trucs à faire. Alors, on va s'occuper de ça. Alors là où est le compteur, je vais vous zoomer, mais... Voilà, 233 000, tu ajoutes un 1 devant. 1 233 000, blablabla. Voilà. Ça, c'est Volvo, ça, tu vois. Le problème, c'est que l'électricité ne tient pas aussi longtemps que le reste. Ah. Ça, c'est le solénoïde de démarreur qu'il a. Une pièce à 40 balles, quoi. Un peu pour voir. Non. Bon, ça veut pas. Mais bon, ça va, ça fait rien. C'est un bon petit test. Je suis content. Je suis content. La bagnole est pas bloquée, le moteur est pas bloqué. Ça fait à peu près son boulot. Bon voilà. Ouais, il y a une guêpe qui fait la gueule depuis tout à l'heure. Bon voilà. Eh bien écoutez. On va rester là-dessus, je vais démonter la batterie, et puis voilà. Attends, je vais baisser un peu le capot, comme ça,
Crac, faut faire la bagnole. Voilà. Bon, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, les bagnoles, mais ça fait rien. Bon, voilà. Donc, j'avais dit que je m'en occuperais, je commence. Voilà, je ne laisse pas une bagnole à l'arrêt comme ça jusqu'à la fin. Je vais essayer de voir si elle veut ressusciter. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo.